travail s'est inspiré dans les femmes qui travaillent l'argile en Colombie, dans une région qui s'appelle Ráquira, Boyacá. C'est une province de Colombie. Et les femmes, têtes de famille surtout, travaillent l'argile. C'est la poterie qu'ils développent, on peut dire comme ça, de son travail. Et pour moi, c'est assez important voir son travail avec les mains, surtout comment il donne des formes à l'argile. Et quand j'ai vu son travail, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de eux? Et c'est ça que j'ai pris la décision d'incarner la déesse de la terre, Gaïa, que j'ai vue dans les femmes pendant son travail. Pour moi, c'est tellement important que les gens sachent que ce travail, ce n'est pas un travail de modèle, parce que ce n'est pas comme ça. C'est comment les gens intègrent le travail des femmes et de la terre. C'est une fusion entre la terre, l'argile et moi. On a utilisé les kaolins. La photographe a pris toutes les performances et on a choisi les meilleures photos qui ont donné la histoire que je veux raconter quand même. Parce que pour moi, c'est tellement important de savoir que c'est les femmes qui m'ont inspirée pour incarner la déesse de la terre. Et il y a une intégration entre le travail des femmes, la terre et moi qui incarne la déesse de la terre. Je suis danseuse et actrice et c'est autre chose. Le travail, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas une pose, je ne suis pas modèle. Pour moi, c'est un travail différent artistique plutôt.